La femme n'est pas inférieure en tant qu'être spirituel. Elle a reçu le baptême comme l'homme et elle est dans son rapport au salut dans une situation qui est parfaitement égalitaire à celle de l'homme. Mais en même temps, pour l'Église, l'homme est du côté de la culture, de la civilisation, de l'ordre, et la femme, qui est plus proche de la nature, est du côté du sauvage et de ce qui, à tout moment, peut subvertir l'ordre dominant. Donc, l'idée que des femmes puissent accéder à des fonctions sacrales n'entre pas dans le logiciel mental d'un monde patriarcal, alors même qu'en réalité, elles sont le support majeur de l'institution. Donc, l'Église, elle ne peut évoluer sur cette question-là que par un coup de force énorme qui consiste, je dirais, à briser le tabou du sacré. Que pensez-vous de la place de la femme dans le catholicisme ? Merci Marie-Thérèse. C'est une question... Vous pouvez répéter la question ?